نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Afin d'encourager les élèves des écoles coraniques de la commune de Dangbo à bien faire la récitation et la lecture du Saint-Coran, il est organisé un concours. Mais avant le jour de ce concours, ils ont profité de l'occasion pour faire la prière qui se fait 10 jours avant la fin du carême du Ramadan. Cette prière est faite la nuit du vendredi 5 avril 2024 à Kewela. Nous venons de faire une grande prière parce que nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et dans ces 10 derniers jours, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'intensifier davantage les prières, car dans ces 10 derniers jours, il y a un jour où plus précisément il y a une nuit. Et cette nuit renferme beaucoup de bénédictions. C'est la nuit de Laylat al-Qadr, plus précisément la nuit de destin. Et cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui prie son Seigneur durant cette nuit et qui a la chance réellement de rencontrer la nuit de destin, il a la valeur de quelqu'un qui a prié son Seigneur pendant 1000 mois. Et c'est l'équivalent de 83 ans, 4 mois au plus. Donc c'est une chance pour tout musulman, tout croyant fervent qui se consacre réellement à l'adoration de son Seigneur pendant cette nuit de Laylat al-Qadr. Occasion pour les participants à cette prière de remercier les organisateurs. Aux organisateurs, c'est une joie immense, une joie incommensurable. Nous leur disons un sincère merci. Qu'Allah les récompense, qu'Allah facilite leur projet pour eux, qu'il leur donne une parfaite santé et qu'il leur permette d'organiser pour les années à venir une pareille fête ou un pareil événement. Nous profitons de cette occasion pour remercier nos fils qui ont initié cette cérémonie. Puis le samedi 6 avril 2024 était la date du concours de récitation et de la lecture du Saint-Coran. Pour le parrain, la religion islamique est une religion de bonheur si on la pratique bien. La cérémonie de ce jour est une grande cérémonie. C'est une cérémonie qui a été initiée par nos fils qui sont en Europe. Et avec l'ensemble du comité de Dangbo, bon, on a réussi à faire ce truc-là. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une grande chose qui donne le bonheur, qui donne la bonne vie à tout le monde. Et si on essaye de bien pratiquer cette religion, c'est une bonne religion. Et si nous, on essaye de suivre le Coran, de connaître le Coran correctement, je pense que ça va aller. Voilà. Donc nous exhortons tout le monde, tous nos enfants, voilà, de suivre la religion islamique, la religion musulmane de Dangbo. Et ensemble, cette religion sera une grande religion dans la commune de Dangbo et dans tout le monde. Rappelons qu'à l'issue de ce concours, les meilleurs de chaque catégorie sont primés, ce qui justifie la joie immense des lauréats. Je suis la première de catégorie de récitation du Coran. Je suis content. L'édition 2024 du concours de récitation et de la lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Dangbo a pris fin dans une bonne ambiance. Rendez-vous en 2025 pour une autre édition. نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها